Charlie, baby, walks on thin ice. She ain't the hoe I was. Still, she longs for another slice of love. Yes, she longs for another slice of love. Alors moi je suis François-Xavier Levieux, je fais partie de l'équipe fondatrice du festival, l'équipe proche, soudée, avec des amis d'enfance. Nous avons créé le festival il y a 5 ans. Pour nous c'est un festival de village, nous avons des valeurs plutôt simples, nous aimons les bons produits, nous aimons le terroir, le patrimoine, la bonne musique indépendante. Le nombre de lieux qu'on utilise pour les événements qui font que c'est assez intéressant pour le public de se balader et de déambuler dans le village pour trouver des activités diverses. Les gens se laissent aller, il n'y a pas de pression. Disons qu'on se sent bien ici, donc on se laisse vivre tranquillement sans se soucier du regard des autres. Je m'appelle Vincent, je suis membre donc de Petronica France, parce que c'est avant tout un collectif qui vient de Moscou, qui est russe. Et moi j'ai passé un an là-bas et j'ai découvert Petronica et le créateur qui s'appelle Sacha Pass. Petronica c'est un laboratoire en fait d'expérience musicale. Notre but c'est de créer des combinaisons un peu folles avec des objets un peu du quotidien, mais aussi des objets un peu inédits comme qu'on a déjà joué sur un avion à Moscou. Comme c'est conducteur, on pouvait jouer sur différentes parties. Là, n'importe qui peut jouer sans avoir une connaissance musicale, sans avoir une connaissance technique, technologique. Il y a juste à se brancher et à taper sur des objets. Je m'appelle Manu Matisse. Je suis musicien, je fais partie du collectif Moi Moi et je suis ici pour les ateliers que je fais dans des festivals qui s'appellent Boom Tchak. Chaque année, on fait une création avec les enfants, on crée un morceau et depuis l'année dernière, on les a fait jouer sur scène. Et donc l'idée, c'est une fois qu'ils ont enregistré la voix, de trafiquer un peu les voix, de leur montrer tous les effets qu'on peut mettre. Il y a aussi Benjamin Artola et aujourd'hui Laurie Chariton qui s'occupe de la partie art plastique. Donc l'idée c'est souvent de lier les deux disciplines. Papouze, c'est deux amis qui cherchent à faire de jolies chansons. Le nom, il n'a pas du tout été réfléchi par rapport à son sens. Donc le nom, il a été trouvé juste, ça nous faisait marrer, je pense, l'esprit sonore du nom. Il n'y a pas un sens qu'on a réfléchi, tiens, ça signifie ça, c'est cool. Ça signifie les berceaux qu'ont les mères indiennes pour porter leur enfant. On pourrait faire des métaphores un peu douteuses sur ça, mais je vais m'en épargner aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on joue tous les deux. Et les festivals, là c'est vraiment la première année où on en fait. On en a déjà fait, mais de manière très épisodique. Moi je trouve que c'est les meilleurs souvenirs musicaux que j'ai, quoi. C'est d'aller jouer de la musique dans un festival ou d'y aller moi-même. Nous basons vraiment notre direction artistique sur l'émergence, donc le développement de futurs grands groupes. Papouze, c'est un peu mon coup de cœur, c'est un coup de cœur que j'ai eu cette année. Et musicalement, c'est totalement notre esthétique dans le festival, c'est vraiment le genre de projet que nous ciblons. Musicalement, c'est vraiment très très bon, ils sont excellents sur scène et leur album est une belle réussite, qui vient de sortir cette semaine.
tous plus ou moins sauvages. Là, on est plutôt chill, je pense. Ce festival, il s'appelle Sauvage, mais il est plutôt chill. Moi, je suis plutôt domestiqué au final. Je pourrais mentir et dire sauvage, mais non, je suis plutôt un animal domestique, paresseux.